gloire au Dieu du Papa Florian, depuis votre jeune âge, votre enfance, vous souffrez d'une allergie, des boutons qui apparaissent sur le visage. Oui. Et vous avez traîné ce mal pendant longtemps, mais pas de guérison. Ici, avec le Dieu du Papa Florian, votre visage est devenu clean. Donnez le témoignage. Ok, moi c'est Espérance. Espérance, on parle avec vie, hein? Parce que Dieu n'est pas timide. Mais t'as si. Moi c'est Espérance. Depuis des années, mon adolescence, je souffrais. Bon, je me suis dit, c'est un bouton de puberté, je prenais ça, mais ça n'allait pas. Aller chez les dermatologues, les hommes de Dieu, pareil. Et c'est une fois. Mais les dermatologues ont révélé quoi? Bon, ils ont dit, c'est comment la puberté. Après encore, ils ont dit non, c'est les hormones. Sûrement qu'il y a les hormones qui font ça à chaque, comment on appelle ça, période de menstrues. Ça apparaît quoi. Ça, voilà, ça apparaît. Mais toujours zéro. Souvent même là, quand on dit période de décembre, les fêtes, ou bien si je dois aller à une cérémonie où il y aura beaucoup de personnes, voilà, où tout le monde se fait chic-chic. Et puis quand je pense à dire, ah, je vais partir en même temps, en moins de combien de temps, ça apparaît. Les boutons apparaissent. Donc ça fait que moi-même là, quand ça arrive, je suis découragée, je ne peux plus sortir. Au point où même là, je suis obligée de rester à la maison, je pleure sur mon sol, je dis, ah, pourquoi à chaque fois c'est quand je vais sortir ou bien à telle chose, c'est ça qui m'arrive. Donc c'est ça, j'ai traîné ça depuis des années. Je suis allée chez un homme de Dieu, il m'a donné des trucs. En moins d'une semaine, c'est parti. Après 2 semaines encore, c'est revenu. Il m'a dit de venir faire le témoignage, je suis allée faire, mais après c'est revenu. Et j'ai traîné ça depuis des années. Et c'est en décembre, on m'a dit que je ne peux pas Florian de venir. Pour venir même, je ne peux pas Florian, mais c'était difficile. La veille même, j'ai prié, dit, ah Seigneur, je m'en vais voir ton serviteur. Je ne le connais pas. Je ne sais pas où il est, ce qu'il fait, mais Seigneur, que ça soit mon dernier recours. Quand je viens ici, là, on n'a qu'à être le dernier. Je suis fatiguée. Et c'est comme ça, quand on est venu, papa, il a expliqué, il a montré les témoignages. Moi, mais quand j'ai vu, il dit, c'est que moi, là, même, là, c'est petit. Mais souffrance, chacun souffre à sa manière aussi. Donc, moi aussi, c'est ma souffrance aussi qui est là. Donc, quand je suis partie, il m'a dit, ça ou bien ça. Et puis, j'ai dit, ah, maladie, il dit, ok. Donc, il m'a dit, c'est quand il dit, eh, c'est aussi rapide comme ça. Je suis venu voir, homme de Dieu, papa, comme ça. Et puis, il m'a, en même temps, il m'a libéré. Et puis après, c'est comme si je venais, quand j'ai fini de dire ça. Et puis lui-même, il m'a... Voilà. Il dit, toi, telle personne, il faut lui donner ça. Parce qu'il a fait, elle souffre trop, ça, là, c'est sorcellerie. Quand il a dit ça, il dit, hey, Seigneur, maintenant que ton serviteur m'a vu vraiment, il a su passer, damen, c'est ça s'est passé. C'était rapide, là. Voilà. Il a dit, ah, venez quitter loin comme ça, venez... Non. Quand il a dit ça, il dit, oh, c'est que pour moi, c'est fini. Donc, c'est comme ça que j'ai pris les éléments. J'ai commencé à appliquer. Puis, j'ai pris Dieu de Papa Florian. Tu me connais. Tu sais ce que je vis en ce moment. Ce jour, je suis venue ici, j'ai mis les pieds. Parce que depuis la veille, je n'ai pas dormi. Je ne peux même pas dormir. 4h du matin, mais mon sommeil se coupe. J'ai fait tout, mon sommeil se coupe. Quand je suis venue, j'ai appliqué. D'abord, j'ai fait la purge en même temps. Fait tout ça, j'essayais de tenir. Mais je suis restée tranquille. J'ai appliqué un jour, 2 jours. Je commence, quand je dors, c'est des sons, des choses bizarres. Bizarre qui sortent. Il dit, mais c'est quel cauchemar je fais à chaque fois. Des choses bizarres. Il explique à ma soeur, il dit, ce n'est que le début. Je mets jusqu'à j'ai appliqué, c'est ça aujourd'hui. Tout est parti. Depuis décembre. Depuis décembre. Même quand mes menstrues viennent, en temps normal, quand mes menstrues viennent, ça apparaît encore plus. Mais c'est roux. Maintenant, comme on fait la décoration aussi avec ma soeur, quand il y a cérémonie, je vais sortir comme cela, là, ça sort. Ça paraît. De cette façon, on est parti en février, là. Il n'y a pas eu de problème. Ça fait que je ne peux pas l'aider, je ne peux pas travailler. Mon travail, là, je ne peux pas faire. Attends, moi-même, là, Donc, depuis décembre, vous avez appliqué. Nous sommes en mars, hein, oui. Et 3 mois après, c'est plus revenu. Voilà, on a attendu parce qu'on avait peur. On dit, ah, faut qu'on observe un peu pour voir si ça ne va pas revenir. Et donc, on peut dire avec certitude aujourd'hui qu'il n'y a plus de problème. C'est le problème. C'est voilà. Parti. Parce que quand les menstrues viennent, ça apparaît. Quand elle doit sortir aussi, ça apparaît. Et vous avez fait tout ça, tout ce n'est pas apparu. C'est que c'est fini. C'est fini. Non. Le Dieu ne va pas finir la guérir. Vraiment. C'est fini. Puis je prie et dis... Le plus dur, c'était le bouton. Parce que vraiment, quand on dit midi,
soleil là, je ne peux pas sortir. 18 ans aussi là, c'est pareil. Même préparer, en tant que tu es une femme, il faut préparer, mais oui. La chaleur là, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Non, ça fait que préparation même là, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas préparer bien, je ne peux pas aller faire sortir. Un travail où il y aura chaleur. Puis en même temps, j'ai bouffé de chaleur, je commence à étouffer, je me marque, j'ai oublié de prendre de l'eau pour me rafraîchir. C'est l'eau, à chaque fois je prenais de l'eau pour me rafraîchir, pour que je puisse me retrouver un peu. Vraiment. Puis maintenant, parti, et puis j'ai fait tout. Vraiment. Donc j'ai appelé, je dis vraiment, merci au Dieu de Papa Florent, merci. T'es libéré de tout ça. C'est serviteur, il dit Seigneur, tu as un bouton, merci. Pour ta chaud. Pourquoi quoi, quoi, ça là? Non, les tâches vont finir, c'est une question ça, de... C'est oui, ça là, les tâches vont finir. Ça va partir. On vient de loin. Oui. Ça va partir, c'est ça là. Les tâches vont finir. Oui, ta peau sera celle d'un bébé. C'est même pour ça même qu'on n'est pas vite revenu. Tu as vu les témoignages de la maman qui était brûlée dans la sorcellerie. Sa peau est devenue comme celle d'un bébé. C'est ça. Tu as vu le pied brisé. La peau est devenue... lisse, nickel, donc ça c'est... Tout mon corps, j'ai dit allons, il dit, mais, pas pleurer. Si c'est mon visage, mon corps, oui, quand il m'en fait, mais mon corps, il dit, mais puis pousse forcément sur le que mon visage, il dit Seigneur. Merci beaucoup. Merci au Dieu de Papa Florian. Merci au Dieu de Papa Florian. Je suis sa grande soeur, c'est notre dernière. Oui. Voilà. Donc tu as vécu ce quotidien avec elle. Hein? Vraiment, c'est ma fille même. C'est ma fille et je vois la souffrance de ma soeur tous les jours. Je dis non, il y a un Dieu... qui est là. Et quand on m'a parlé le jour, c'était un lundi, j'ai reçu un appel. Mon ami, il était à l'étranger, c'est lui qui m'a donné le numéro. Il dit va ici. Quand il m'a donné, je vous ai appelé, on m'a dit jeudi. Il dit on va pas attendre, même et on est venu. Et on est venu. Ma soeur a retrouvé la santé. On voulait vraiment attendre les premiers mois là, comment ça allait être, parce qu'on avait peur que ça revienne comme les autres fois. Pour vraiment abréger notre joie. Et on a observé pendant ces deux derniers mois-là que ce n'est plus revenu. On dort bien. Elle se retrouve. En tout cas, je vais... Elle peut préparer. Elle peut préparer. Elle peut sortir. Parce qu'avant, dès qu'on va aller, on dit qu'il y a une cérémonie où il y aura du monde. Que, en tant que femme aussi, tu vas te rendre un peu belle pour qu'on puisse te voir. C'est là, les ça revient. Disent, voilà moi. Donc, c'est comme... Elle est un masque. Elle ne peut pas les gêner. Donc, vraiment, ça, moi, je suis déjà heureuse. J'étais venue beaucoup plus pour elle. Maintenant, après ça, moi-même, j'ai essayé aussi. Alors, tu as constaté. Oui, j'ai vu. Parce que moi, je n'avais pas... Bon, c'est la même famille, hein, les blocages et autres. Mais je suis une personne, quand elle a dit à puge, moi, je ne supporte pas les puges. Or, quand on accouche, on vous donne, il faut te puger, tout ça. Mais c'est difficile parce que dès que je fais ça, moi, je touffe dans la douche. C'est comme je vais tomber, je vais mourir. Donc, j'ai trop peur. Donc moi, les traitements là, il faut que ça soit buvable ou bien gestion, mais vraiment plus jeune, je ne supportais pas. Et j'ai pris aussi le traitement. Quand je suis partie la première fois, ah papa, vraiment, je ne sais pas ce que ça a touché là-bas, mais vraiment, moi ça m'a renversée. Ça m'a secouée même, je pleure comme un enfant. J'ai dit, ah, ma soeur, c'est ça la tête tu fais, et puis tu es, on dit ça quoi, mais vraiment, je ne peux pas. Elle m'a regardée, c'est parce que vraiment, je n'étais pas habillée, elle n'a pas pu filmer. La seconde fois, quand j'ai fait aussi, ça a commencé à diminuer. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne sort pas totalement. C'est-à-dire que je ne me libère pas totalement. Et là, Dieu, par sa grâce, la deuxième semaine, je m'en vais quand je regarde papa. Je vois que voilà quelque chose qui sort. Je regarde, voilà un serpent. Un serpent est sorti. J'ai crié dans la douche, j'ai dit Jésus. Oh, c'est à partir de cet instant-là que... Quand je fais les puges maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand je puge, c'est normal. J'arrive maintenant aussi à supporter. J'ai dit, c'est toi qui faisais que vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Et je rends grâce au Dieu de Papa Florian. Vous aurez les images tout à l'heure. Au Dieu de Papa Florian, pour ce qu'il a commencé. Je sais que ça, ce n'est que le début. Tout est fini. Tout est fini. Je lui dis merci. Merci vraiment. Merci aussi au frère qui nous a guidés ici. Gloire à Dieu, tout puissant, Papa Florian. Et bon retour, que Dieu vous accompagne. Amen. Merci beaucoup.